Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'ai perdu les clés de ma bagnole. Aujourd'hui on va parler de bagnole. Et quoi de mieux qu'un film qui a marqué toutes les voitures, c'est bien Cars. Et il y a pas très longtemps, on a vu un plagiat de Ratatouille. Aujourd'hui on va regarder le plagiat de Cars, Little Cars. Regardez, ça c'est Flash McQueen, ça c'est Martin. Ça, eux ils sont moches. Exceptionnel, j'espère que vous êtes prêts pour cinéma de votre vie. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Qui sont tous ces gens? Tony? Qu'est-ce que ça va être ce truc? Allez, c'est parti. Merci Michel pour les effets 3D. On va penser à toi Michel. T'as pas intérêt à merder. C'est Michel qui a tout fait. Allez, encore un peu, sois patient. Et je le double à gauche. Oh, excusez-moi, pardon. Et toi, mange ma poussière. Mais je suis premier, je suis en train de gagner. Oh les gars, ça va être long. Oh, je m'attendais pas à ça. Oh non. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Ça allait trop vite pour moi. Vous savez, c'est ce qu'on a sur la télé là quand elle marche pas. Dans les anciennes télés. Vous savez, la neige, on appelle ça comme ça. Quand ça captait pas, qu'il y avait plus rien, ça faisait exactement pareil. Ils ont utilisé ça pour faire le goudron. Je suis en train de gagner. Où suis-je? Hé, Cruz, dépêche-toi, allez, réveille-toi. Faut que tu te réveilles. Monsieur V8 va arriver. Oh l'autre, je suis le meilleur en marche arrière. C'est la même voix? Cruz, dépêche-toi, allez, réveille-toi, faut que tu te réveilles. On dirait presque la même voix. Waouh. Oh, je m'attendais pas à ça. Déjà, qu'est-ce qui t'est arrivé, Martin? T'as changé de marque, t'es plus propre. Mais t'es vraiment, je l'ai vu passer, une animation digne de la SSR, là. Clairement, c'est dégueulasse. Ils ont appelé la VF de Martin pour un... Ils ont payé une boisson, un oasis. Je voyais les autres s'éloigner dans le rétro. Bref, j'allais gagner les doigts dans le carbu quand tout à coup, monsieur se pointe en plein milieu de la piste. Pourquoi il bouge son gros museau comme ça, là? C'est perturbant. Il me fait peur. Sa bouche, elle twerk. Oui, c'est vrai. Pourquoi il me fait peur comme ça? Leurs yeux, mais quelle idée d'avoir fait les yeux comme ça. Heureusement que Disney Pixar, ils ont pas fait ça avec les yeux. Oh, ça aurait bidé, Cars. Ça aurait été la terreur de tout le monde. Tout le monde n'a que ça à la bouche. La course par-ci, la course par-là. Les bouchons se multiplient. Trouver une place de parking, tient du miracle. Sans parler des pénuries d'essence. Un truc aussi à comprendre, c'est que c'est dans un monde où toutes les personnes sont des voitures. Comment ça tu cherches une place de parking quand t'es une voiture? Arrêtez de perdre du temps et de l'huile à rêvasser de la course. J'ai bien entendu le mot course, non? Oh, ça m'emballe le moteur. La voix aussi derrière. C'est clairement les voix que tu payais 10 euros à l'époque. Pourquoi on avait une bouche comme ça? C'est censé être Sally. Fatigué Sally. Hein, Tony McKing, vas-y. Non, n'y va pas. Laisse-la tranquille. Je suis enfermé. Non, pas elle, j'y crois pas. Oh, allez, tonton V, arrête de faire ton gros ronchon pour une fois. Et puis je sais de source sûre que tu n'as jamais raté une course depuis des années, tu adores ça. Tony McCringe. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'incroyable dans ces courses, hein? Les coureurs ne font que tourner en rond. J'adore les coureurs et je suis leur plus grande fan. Ah, Tony, ça y est. Tony, il est chaud. Tony, il sait que c'est son moment. Qu'est-ce qui t'arrive, Cruz? T'as la tête d'une voiture qu'on emmène à la casse. Oh, le décor, il est catastrophique. Oh, le décor Windows XP. Chris, c'est le top du top. Oui, c'est là le problème. Je suis pas assez bien pour elle. Lâche l'affaire. Tu plaisantes. Ça suffit, Combi. Laisse tomber. Pourquoi ils ont fait des zooms comme ça de youtubeurs? Oh, ça nous appartient. Pas besoin de le mettre dans des films. Ils ont dit au montage, ouais, c'est chiant. Ouais, on se fait chier, là. On va mettre des zooms, on va engager un monteur. Pas de problème. J'ai des monteurs compétents aussi. Regarde, on refait la version. Version montage YouTube sur Tartiflex. C'est parti. Little Cars dans la grande boursin. Pardon. Et toi, mange ma... Je voyais les autres s'éloigner dans le rétro. Bref, j'allais gagner les doigts dans le gargarde. Et vous voilà encore en train de parler des pénuries d'essence. Je suis désolé, monsieur V8, mais moi j'adore les gargardes. Vous avez complètement raison, monsieur V8. J'ai bien entendu le mot quelqu'un. Oh, ça m'emballe le moteur. Tu sais, j'arrive pas à l'enlever de ma tête. C'est pare-chocs, c'est rétroviseur, c'est phare. Oh oui, c'est phare. À chaque fois que j'y pense, c'est une vraie torture. À quoi représenter les phares sur un vrai corps humain? Non! Putain, imagine dire ça, c'est une vraie torture. Oh, c'est une torture, c'est trop beau. Miam, waf, waf, barque! Bark, je m'appelle Tony. Baisse ton frein à main, Tony. Hé, Cruz est amoureux. Le plagiat ultime, c'est exactement pareil.
Elle est grande, cette planète, là. D'accord, j'abandonne. Oui, je l'aime, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment veux-tu qu'une fille de sa classe puisse un jour être intéressée par un pauvre livreur comme moi? Ah, c'est un livreur dans ce monde. C'est sorti 2 ans après Cars. 2 ans à faire cette merde. Ça me fait péter un câble, ils sont en train de rouler à 1 km/h. Ils glissent sur la route depuis tout à l'heure. La colline, c'est la même. J'ai l'impression que tout est plat dans cette planète. Ils sont en roue libre. Quelqu'un a dit ça. J'en ai marre de vous. Ah, ça y est, on bouge les plans. Allez, s'il vous plaît, monsieur. Oh, merci, depuis le temps que je voulais un autographe. Tu récupères avec quoi, là? Tu récupères avec le vide vitesse, un peu crade, ça. C'est bon, les... oh, je ferai les décors. C'est quoi ces palmiers? La terre est moche. Le sol. Voilà, je vous présente Little Cars. Regardez, c'est exactement pareil. Ah, ce Marius, il me fait vraiment tourner l'huile. Regarde-le, un moteur V10 turbo 16 soupapes, 640 chevaux, tu es juste jaloux. C'est précis, Vibrequin, ça va. Le voilà, qui arrive. Classe. C'est qui? Hé, hey, salut champion. Dinoco, c'est ça. Je suis impatient d'aller inviter Chris. Et débrouille-toi pour avoir des bonnes places. Waouh, toute la ville commence à bouillir. Elle me met mal à l'aise, elle. Je sais pas, quand je la vois, je suis mal à l'aise. Je suis pas bien. Tu n'aurais pas vu Cruz? Il est passé devant toi. Cette planète est plate, tu vas le voir. Hé, hey, salut jeune fille, t'as de beaux feux, tu sais. Salut poupette. Tu vois, quand tu traverses autant de villes que moi, elles finissent par se ressembler. Attendez, la voix aussi. La voix, elle me dit quelque chose aussi. Quoi? Ingrédient secret de ratanouille? On a eu de la chance sur ce coup. C'est lui! J'ai cliqué au pif, c'était lui! C'est exactement la même voix! C'est Frédéric Soutrel. Il a fait Kratos Ganon, mais c'est... Et là, il fait quoi? Il fait un harceleur de rue! Voilà! Ça payait pas assez, il est devenu harceleur de rue, ben bravo! Hé, hey, beauté, est-ce que tu aimes les courses? Moi, j'adore ça! Je le savais, à la minute où je t'ai vu, je savais que ça te plaisait. Et ça t'est déjà arrivé de sortir avec un coureur? Non! Stop! Oh, c'est des bagnoles! Et en plus, ce genre de film, je suis sûr que ça s'adresse à des 3 ans! Stop! Arrêtez d'en parler, s'il vous plaît! Je dois retrouver mon équipe dans 10 minutes. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Comme ça, tu pourrais me regarder m'entraîner. Quoi? C'est vrai? Oh, non, j'adorerais! Accepte mais pas! Je dois juste prévenir mon... Viens de venir de rentrer dans les backstage, non! On se voit tout à l'heure. Une fois là-bas, tu demandes Marius au stand. Deux! Le numéro 1, c'est celui du champion. Hé, hey, Combi, t'as pas vu Chris? Elle va me rejoindre pour me regarder m'entraîner. Oh, mais oh, qu'est-ce non. qui lui arrive? Non, il a l'air tout Tony. Triste. Allez, j'aime pas voir les gens malheureux. Je te fais un autographe, ça te fait plaisir? Vas-y, ouais, merci. Ça peut toujours servir. Bien sûr. Ouais. Oh, c'est ça le truc. Oh, c'est ça la course. C'est ça votre course. J'ai vu des jeux en 98 qui étaient mieux faits que ça. On a compris derrière. Youhou! On a compris, oh, c'est toujours les mêmes plans. Stylé le GP Explorer 3 de Squeezie. Hein. Waouh! Quel virage! Oh non, encore des plans toujours les mêmes. Oh non. Ah! Putain, le sourire! Ah! Arrête! Stop! Son sourire de merde là, il me fait peur! Comment une aussi jolie fille que Chris pourrait sortir avec un modèle comme moi? Tu sais, l'amour, c'est un peu comme une course. Tu gagneras jamais si t'y participes pas. C'est en ça, plus, peu donc, importe la carrosserie. Tu peux être une Clio 2 et très bien choper des Ferrari, y a pas de problème. Ça marche comme ça la vie, vous inquiétez pas, faut jamais lâcher. Ici, on ressemble à des Citroën C3, y'a quoi là? Laissez-moi deviner, vous êtes encore en train de discuter de la course, non? Alors excusez-moi de vous déranger, mais auriez-vous vu ma nièce? Ouais, votre nièce, elle est dans un garage un peu sombre avec Marius. Pourquoi vous faites une tête comme ça, monsieur? Pourquoi vous êtes... Monsieur... Non, elle va bien, votre nièce, vous inquiétez pas. Elle est juste avec Marius. Mets un frein à tout ce que tu faisais et fais chauffer le moteur, j'ai besoin de toi. Ah yes, il va livrer un Uber Eats, let's go. On doit se moderniser, se mettre à jour, comme ils disent, mais tout ça coûte une vraie fortune. Et je ne te le cacherai pas, l'entreprise aujourd'hui traverse de gros problèmes financiers. Il n'y a pratiquement plus d'argent dans les caisses, alors... Oh, c'est bon, là, je suis venu regarder des voitures faire vroom, là. Pourquoi tu me parles d'impôts? Laisse-moi tranquille, là, laisse-moi profiter un petit peu. Arrête, c'est bon, je m'en fous. Roule sur ta route pleine de neige, là. Roule, vas-y. Je veux que tu ailles tout de suite à la banque de course police et que tu y retires tout l'argent qu'il y a sur mon compte. Il est en cavale. Monsieur V8 est en cavale. Je m'en occupe. Et tu t'arrêtes pas en chemin, Combi, d'accord? On était super loin, on l'entendait encore, là. C'est Capot qui fait ça. Pardon, j'ai envie de le revoir. Ils ont le capot flex, ils ont le pare-choc, il est vraiment flex, hein.
Oh, prends pas la tête, toi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu casses le crâne, là? Vas-y, contourne. Il est assez grand, la route, là. Vas-y. Pas vrai! Ah, si, je ne toujours arrive assez au volant. Oh, putain, il a la thune. Là, regarde, regarde. Et tu t'arrêtes pas au chemin, d'accord? Non. C'est bien. Bien joué. Bien joué. Ne parie pas. J'ai une idée. Non! Non, il va pas utiliser toute la thune dans un pari! Je parie ce bon paquet d'argent sur l'équipe de Coursopolis! C'est qui Coursopolis? En quoi c'est Cars par contre? En fait, ils ont quand même changé un petit peu l'histoire. Lui, c'est un livreur, je pense qu'il va participer à la course à la fin sans faire exprès. Et il y a Martin qui parie de l'argent et qui va au casino et qui regarde des trucs là sur Twitch où il y a des gens qui jouent au casino là, des trucs fake. Il fait que ça et après il te dit ouais, les cryptos c'est bien. Martin, il a pété un câble! Oh, tu croiras jamais ce que je vais te dire, Cruz. J'ai assisté à l'entraînement des coureurs et tout ça depuis le stand d'une équipe. C'était le pneu. Hé, tu viens voir la course après? Je crois que j'ai perdu mes billets. Si ces messieurs dames ne veulent pas y aller, ça ne me dérange pas. Non, on veut y aller, oui. Oh, déjà c'était pas bien. Là, vous vous enfoncez. Là, il y a une erreur là, j'aime pas. Ça m'a fait mal aux oreilles quand j'ai entendu ça. Ouais, c'est la Vidiana version voiture. Essence. Merci. Putain, je savais pas ce que c'était. Une fois que Champion aura goûté à ma petite préparation, je crains fort qu'il ne se sente un peu ramollo. Ils ont des rétro-extensibles? Comment ils font pour attraper les choses? Moi, je veux les voir. Ça va cramer. Non, de l'huile! La preuve, elle est là. Je sais pas si vous avez compris. Vous l'avez ou pas? C'est pas compliqué, mais vous savez, il y a la marque. Et à cause de l'huile, en fait... Circuit de Coursopolis. Oui, c'est bon, j'allais le dire. Ils ont mis le budget sur un seul plan, c'était celui-là. Ils ont mis du rouge à lèvres et tout. Oh, c'est horrible. Vous voyez pas que c'est un peu mieux fait que les autres plans, bizarrement? C'est sur sa grosse bouche, là. Hey, salut, ma beauté. T'es pas resté loin longtemps, hein? Salut, beauté. Cette course va rester dans les livres d'histoire. Vous allez en avoir pour votre argent. Argent? Quel argent? C'est juste une expression, monsieur D8. C'est bon, je parle YouTube. Pas besoin de parler d'argent. Arrête de me regarder comme ça, s'il te plaît, frérot. Arrête, c'est quoi ce sourire-là? Si lui, il a parié tout son argent sur lui, j'ai pas confiance. Regarde sa tête, là. Oh. Et là, qu'est-ce qui t'arrive? Mais il fait la vidange, c'est ça? Il se remplit de gasoil, là? Qu'est-ce qui se passe? Sa tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas un truc où il se gratte pas ou un truc comme ça là? Là il est bizarre, tu fais quoi avec ton pot d'échappement? Perturbant pas quoi. Mais qu'est-ce que vous m'avez donné? Notre champion est imbattable, il a pas encore perdu une seule course. Si j'étais aussi sûr que toi que notre champion allait gagner la course, il va tout perdre. Moi j'aurais parié tout mon argent sur lui. En fait, monsieur V8. C'est tout comme si vous l'aviez fait. Fais quoi? J'ai... parié tout votre argent sur la course. Non! J'avais confiance en toi et maintenant tout est fini. Tu viens de me ruiner. On dirait des animations de bowling. Totalement, c'est ça. Flash de dernière minute. Champion, le pilote de l'équipe de Coursopolis, vient d'annoncer qu'il ne participera pas à la course. Il semblerait que l'essence qu'il utilise ait été empoisonnée. Quoi, il a été empoisonné? Responsable de ce sabotage. Non! C'est une véritable catastrophe pour l'équipe, car n'ayant aucun autre pilote à proposer, ils vont être disqualifiés. Vas-y, Tony, vroom, Tony, vroom. Eh, ce qu'ils disent à la radio, c'est bien vrai? Malheureusement, oui, c'est la triste vérité. Si une équipe ne participe à aucune des courses, elle est automatiquement disqualifiée du championnat. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Respire derrière le micro, t'as le droit, t'inquiète pas, c'est pas payant. Il n'y a pas un coureur potentiel à moins de 2 jours de route. Pourquoi, tu connais quelqu'un? Peut-être bien, continue. Eh ben, vous l'avez en face de vous. Un livreur comme toi, ramène ta commande, s'il te plaît. J'espère que tu ne parles pas sérieusement, hein. Au contraire. Non, pas encore. Non, stop. Qui a engagé ce gars-là? J'ai pas entendu cette voix depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a juste un gars qui arrive pour faire... Et il est arrivé que pour faire ça. Wow, c'est qui le champion maintenant? Oh, Kachao. Quoi? Kachoum. Il y a aucune dégaine. Allez, moi je veux voir ça là, c'est bon. Pour moi, c'est mon GP Explorer à moi. Parlons. C'est quoi cette musique?
Ça y est, on est dans GTA là maintenant. Allez, Tony McCringe, vas-y, Tony McCringe, c'est parti. C'est pas moi, c'est ça bug pas. Ah oui, il y a du ping, là, je comprends rien. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le code de la route, c'est ça? Pourquoi il y a eu que des images au bout d'un moment? Déjà, il y a musique de western pour une course, ça va pas du tout. Il nous montre des images et lui, il déporte de la route pour aucune raison. Il y a rien qui va, les gars. Je me sens pas bien. Oh, on a 50 cc sur Mario Kart là, c'est bon. Allez, vas-y, Tony. Allez, vas-y, maintenant. Ça va trop vite, je suis désolé si ça va vite et tout, faut suivre, pff, ouais, c'est compliqué, désolé pour vous. Hein. Vas-y Cruz, il faut que tu gagnes, notre sort est entre tes roues. C'est le Cruz. Bonjour, c'est Cruz Blue. Vas-y Cruz McCringe, à toi, vas-y, tu vas gagner. C'est incroyable, Cruz passe en tête. Qu'est-ce que tu dirais d'une bombe collante? Il a craché un molar comme ça? C'est possible même? Ça marche pas les chewing-gums dans les voitures même. Attends, y a un problème là. Ok, ils sont là, ils se foutent du carburant dans la bouche. Je veux bien, mais marcher un chewing-gum, les gars, ça passe pas. J'ai jamais vu une Toyota marcher un chewing-gum, je suis désolé. Y a un moment, faut être logique. Vas-y, Cruz, let's go! Tout de suite, c'est une imposture, c'est moi le champion! Terminé. Oh oui, bravo, Cruz! Je pensais pas que j'allais gagner, mais je savais que tous mes amis comptaient sur moi. Je vous le dis, messieurs, je crois avoir trouvé mon successeur. Merci, mais je ne peux pas, je dois aider Monsieur V8 pour les livraisons. Mon garçon, oublie ça tout de suite. Avec l'argent que nous a rapporté oublie le ça, t'es viré. On va pouvoir engager au moins 20 nouveaux livreurs. Let's go! Hey, ah. Si vous arrêtiez votre petite fête et que vous m'écoutiez un peu, je peux vous démontrer que c'est le petit qui a empoisonné l'essence de champion. Hé, hey, tout ça est faux, tu mens! Je suis désolé, mon garçon, mais va falloir que tu nous suives au poste. Juste comme ça, juste à une accusation, ça finit au poste. Eh ben bravo. Vous n'auriez pas par hasard trouvé quelques indices? Monsieur, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Il a trouvé? Non, c'était si subtil que ça, non. Oh ben ça alors, regardez ce que j'ai trouvé. Est-ce que ça correspond? Nom d'un piston, c'est exactement la même. Je l'ai ramassé par terre après que Marius me l'a gentiment signé. Je t'arrête, Marius. Oh non, c'est de la science-fiction, c'est pas possible. C'était moi qui devais avoir la gloire, c'était moi qui devais être le champion. Maintenant, je veux pas aller en prison. Terminé, va s'empoisonner quelqu'un qui est même pas malade, qui va très bien. C'est comme ça, c'est le karma. Cruz, tu as gagné la course et mon cœur. Putain, ce plan. Oh, qu'est-ce qu'il est moche, ce plan. C'est ce son. Quel banger. Masterclass, la team, non? Oh, merci. Merci pour ce chef-d'œuvre. Qui a fait ça? Je vais vous retrouver. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour ce banger. Et merci d'avoir regardé ça avec moi. À la prochaine. J'espère que vous n'êtes pas mort. Likez la vidéo, surtout si vous êtes encore vivant. Et surtout, n'oubliez pas de vroom vroom. Allez, merci. Merci d'avoir survécu jusqu'à là. Par toi.